Salut à tous et à toutes, c'est Bézélash. On se retrouve aujourd'hui les amis sur FS17 pour une nouvelle vidéo travaux publics, la suite de notre chantier en partie 2, toujours dans la ville de Rouen, donc sur ce petit chantier où l'on évacue la terre hein, tout simplement. L'on a commencé avec la magnifique Bobcat E55, hein, donc mini pelle, suivi du Bobcat 863 turbo sur chenille, hein, donc une mini chargeuse compacte. Tout simplement, dans un premier temps, pour déjà décaisser et puis commencer à évacuer la terre. Bon, vu du fait que mes engins sont de petite taille, j'ai changé pour ce matin. On va donc découvrir, tester, et en même temps, je vais pouvoir faire la démonstration de la magnifique pelleteuse Mécalec 714 MCE, que vous avez déjà connue pour les passionnés dans Farming Simulator en 2015, et qui est de retour sur le FS17. Mise in game par FCM Modding TP, mon ami Flo, que je remercie. Allez, c'est parti. Donc le programme de la journée est bien chargé, puisque on va devoir terminer notre chantier pour aujourd'hui, histoire de pouvoir passer à la suite. Allez, c'est parti. Voilà, donc je mets la position de deux roues directionnelles. On va allumer les feux. Voilà, donc ce que l'on va faire pour aujourd'hui, c'est essayer de détourer, si je peux appeler ça comme ça, ce qui reste à faire, et puis évacuer la terre tout simplement. Donc du fait que je ne puisse pas déposer la benne dans le jardin ou au plus près, enfin au plus près, on va le mettre au coin, enfin on va la mettre au coin de la rue tout simplement. Et puis, à l'aide de notre rectopelle JCB4CX, l'on va pouvoir évacuer notre terre. Voilà. Donc on va essayer de faire ça au mieux, hein, de façon à terminer ce chantier. Puisque après, on a encore bien du boulot. C'est loin d'être fini. Donc voilà le programme. La police, dès le matin... Ça, je dépasse pas 50 hein, avec le JCB. Enfin, normalement, il n'est pas reprogrammé. Enfin, quoique. Allez, on va démarrer notre camion. Voilà, je vais mettre ici. Hop là. Ok, notre Mercedes Arok en pyrole. Voilà, on va dégager les cônes. Je vais mettre ça ici, tiens. Provisoirement. Ok, allez, c'est parti. On va mettre les gyros. Hop. Et le triflash. Voilà, on va pouvoir passer par ici. Et un petit coin d'accès. Hop là. Donc nous voici arrivés. Hop, je vais couper les warnings. Ok. Sur le chantier, attendez, je vais laisser allumer. Voilà, comme ça c'est bon. Nickel, donc voici la magnifique Mécalec 714 MCE sur chenille, hein, donc chenille métal du coup, pour cette version, avec donc son équipement Encon suivi du godet de curage, hein, donc ça c'est by Tony 35. Donc pour le petit historique de la Mécalec, je le rappelle, donc c'est un modèle disponible sur le site Polygonish. Je vous mettrai toutes les infos comme d'habitude en description si vous souhaitez retrouver ce modèle 3D. Attention, c'est un modèle 3D, hein, donc c'est pas un modèle que lorsque vous allez l'acheter sera direct pour le jeu, hein. Il faudra bien évidemment le scripter par un modeur. En tout cas cette version-ci, je le rappelle, a été faite pour le 17 par FCM Modding TP, et la première version avait été faite par TMP dans le Farming Simulator 15. Voilà, donc pour en revenir sur notre chantier, voilà ce qui nous reste, hein, donc mine de rien, il y a encore pas mal à virer, donc on va essayer de faire au mieux. Donc
ce que l'on va faire, c'est qu'on va dégager tout ça à la pelle. Je vais commencer par tirer un peu et puis déposer la terre ici. A l'aide du JCB, on pourra évacuer donc la terre au coin de la rue, puisque je vais aller mettre tout de suite le camion, déposer la benne. Hop. Voilà, envoyer en ville, hein, c'est pas toujours évident à manœuvrer. On fait comme on peut. Je vais essayer de la caler au mieux. Allez, on est bien ici. Ok. Bon, je vais mettre le camion ici. Exceptionnellement. Voilà. On va laisser les warnings tranquilles, hein, histoire de signaler. On va mettre les petits cônes. Très important. Ok. Quand même qu'on puisse laisser un peu d'espace pour sortir. Et je vais le mettre. Bon, je vais mettre ici, hein, puis voilà. Pardon. Ok. Donc voilà, notre placement est fait. La benne est bien placée comme il faut. Donc on va pouvoir commencer à attaquer. Alors ça devrait y aller tout seul, hein, je pense, avec le tracto. On risque de faire sûrement plusieurs allers-retours. Alors, vous voyez, ça risque d'être un peu serré. C'est là qu'on va pouvoir voir vraiment l'efficacité d'un tractopelle. Donc sinon, pour opter pour une autre solution aussi, c'est de faire un tas, remonter la terre là où se situe la méca. Et puis, ramener direct la benne juste derrière la haie, comme ça on pourrait peut-être éventuellement charger au mieux. On va déjà voir comment cela se déroule au tracto. Je pense que bon, en une matinée ça va être réglé.
Ok. Voilà, c'est terminé. Enfin, du moins un côté. C'est vrai que le JCB il est vraiment extrêmement maniable quand il est en 4 roues directionnelles. Ça fait extrêmement plaisir, surtout dans les endroits bien serrés comme ici. On a l'exemple type d'un chantier un peu plus compliqué que d'habitude. Voilà. Hop là. On va le laisser allumer tranquille. Ok, donc c'est fini. On terminera donc ici par un coup de balayeuse hein, une fois que tout sera évacué au mieux. On va déjà... démarrer la méca tranquillement.
Voilà, donc on a évacué déjà pas mal, je pense la moitié. Maintenant, on va continuer donc cette partie-là. Vous voyez, ça fait quand même un sacré beau tas. On va commencer à le dégager avec le tracto. Donc je pense que le plus simple, du fait de la maniabilité au top de mon tracto, et en vue de la largeur, je pense que ça passe. Donc on va essayer de finir avec le tractopelle. Je pense que finalement, vous voyez, rien qu'avec le tractopelle, ça aurait même pu largement le faire, je pense. Sur ce chantier, il n'y avait pas forcément besoin de la mécalac, mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, il y aura bien d'autres chantiers où vous verrez la version pneumatique et cette version concernant la mécalac. Il y a de l'assainissement, du VRD, tout un tas de choses, y compris de la manutention. Donc vous la verrez, je pense, régulièrement. En tout cas, n'hésitez pas à me donner vos impressions en commentaire. N'hésitez pas à liker, bien sûr, si vous aimez ces vidéos concernant le travaux public. Voilà, vous voyez, ça se fait quand même plutôt bien. Donc, petite précision pour le tractopelle. Donc, le tractopelle est disponible au téléchargement sur de nombreux sites, hein, ou sur la page Facebook La Flandre, puisque cette version FS17 a été mise in-game par La Flandre. Dans sa première version, ce JCB avait été mis sur le FS15 par le team TMP, et sur le 17 par La Flandre, qui l'a mis à votre disposition, bien évidemment, sur de nombreux sites ainsi que sa page Facebook. Et comme je vous l'ai dit, et je vous le rappelle, je vous mets toutes les informations dans la description de cet épisode, de façon à ce que vous puissiez être guidé au mieux. Donc elle est posée ici, comme ça elle va pas nous déranger pour manœuvrer. Et puis avec le JCB, on va pouvoir directement crocher dedans, hein, tout simplement. Et puis on essaiera de faire les côtés, je pense peut-être avec ou la méca ou avec le tractopelle, hein, si tout se passe bien. Voilà, donc je vais juste, hop, le couper, et puis on va aller directement vider notre terre à la carrière. Puis on va revenir et on va faire plus simple encore. C'est qu'on va carrément reculer avec le camion dans la rue, et puis on va déposer la benne à l'entrée. Je pense que ça risque d'être plus facile maintenant, du fait que la terre est dégagée en partie droite. Donc je vais juste, hop, enlever mes petits cônes. On va remettre bien gentiment ici, voilà. Je vais quand même en laisser un ici pour la prévention. Hop, voilà. Allez. Allez, c'est parti, direction la carrière pour aller vider notre benne de terre. Alors pour cette map, je sais pas trop encore, parce que j'avais dit que je pensais pas la passer sous le FS19, mais qui me rend quand même curieux, c'est bah, le rendu que l'on a, hein, dans le FS17, puisque clairement, enfin dans le FS19, pardon, puisque clairement nous obtenons un éclairage de meilleure qualité, hein, je veux dire plus prononcé, enfin de meilleure qualité, et après plus prononcé, on va dire, parce que je trouve que
on va dire l'ambiance, environnement, éclairage dans le FS17 est tout aussi bien. Bon, après, c'est les goûts, les couleurs. Hein. Celui du FS19 donne un aperçu, je trouve, sympa, avec une bonne dose d'ombrage réaliste, enfin de réalisme, pardon. Et c'est vrai que du coup, ça peut être sympa de voir ce que ça donne, enfin ce que tout ça va donner dans le FS19. Alors, est-ce que ça passe ? Non. Mais bon, tout ça, c'est beaucoup de boulot, parce que bon, c'est vrai que ça demande quand même pas mal d'heures de travail. En tout cas. Mais c'est vrai que bon, actuellement, je pense qu'elle restera beaucoup plus optionnelle dans le FS17 que dans le FS19 où pour l'instant cela se résumerait à pas grand chose. Ou toujours le même principe que dans le FS17. C'est vrai que je trouve ça un peu démotivant du fait que bon, l'évolution concernant le FS19 est moindre. Il n'y a pas vraiment de grande nouveauté qui fait que ça donne vraiment envie. Bon, mis à part ce fameux rendu qu'on obtient à nouveau dans les maps, hein, c'est vrai que pour ma part je trouve ça une bonne chose. C'est vrai que ça donne un tout autre aperçu de ce qu'on est habitué à voir visuellement. Mais je veux dire, en tant que joueur, hein, comme bien d'entre vous, j'aurais aimé beaucoup plus, hein, concernant l'évolution de ce jeu, avoir éventuellement de nouvelles possibilités. Pourquoi pas, clairement aussi, hein, on va dire, un autre jeu du même développeur, mais concernant le travail public. Je pense que depuis toutes ces années, puisque mon TP en farming, c'est depuis 2009, donc ça fait quand même un bail que cela existe. Et c'est vrai que en petit clin d'œil aux développeurs, ils auraient pu faire quelque chose concernant le troupe public, hein. Je pense que ça aurait apporté pas mal de positifs pour la maison de développement. Mais bon, on va donc reculer, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, avec le camion Ben. Enfin, du moins je vais essayer de manœuvrer comme je peux. Un petit chantier bien serré comme on les aime. Ça apporte un petit peu plus de piment à la technique, toujours présente bien évidemment. Voilà, donc je vais déposer la benne ici. Tac. Voilà, j'apparais chez le voisin. Ok, comme ça vous voyez, là ça va me permettre avec plus d'efficacité et de simplicité. Hop là. Là on est bien, c'est un petit chantier que je trouve bien sympathique. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce petit chantier. Si cela vous plaît-il, hein. Ça me permettra, pour moi en tant que mappeur, créateur de cartes, de toujours prendre note de cette information importante. Hein. Donc, j'aime créer ce genre de petites scènes assez compliquées. C'est vrai que pour ceux qui recherchent un peu plus de technique, ça peut être sympathique. Et encore là, vous voyez, c'est pas non plus
extrêmement hardcore, hein, je veux dire, ça pourrait être encore pire. Vous voyez, ça passe largement finalement avec le tractopelle. Voilà, donc il nous reste plus lourd, quasi fini de dégager toute cette terre. Ok, allez, c'est terminé. Du coup, on va pouvoir maintenant passer un petit coup de plaque. Non, je vais couper. Attendez, je vais laisser ici pour l'instant. Je vais vous montrer rapidement. Donc du coup, on va passer un petit coup de plaque le long de la maison ici. Et puis, je vais enlever ici cette dernière motte de terre. Mais ça sera à l'aide de la balayeuse, tout simplement. Allez, c'est parti. Hop. Voilà, comme ça sera plus facile avec la balayeuse. On va essayer de d'enlever ça. Voilà, hop. Donc on va juste la caler dans le godet. Voilà. Ok. Voilà, pilonneuse ramassée. Donc ce que l'on va faire, c'est déjà dégager notre camion, tout simplement. Hop.
sortir le tractopelle, atteler la balayeuse et une conne. Hop là. Voilà, je vais le mettre là-bas, je vais même vider direct juste à côté puisqu'on aura besoin très certainement. Ouais, du coup je vais juste dégager le plot ici. Je vais le remettre avec ses petits camarades. Voilà, comme ça on pourra venir les chercher en fin de chantier. Donc je vais juste vider ici. Comme ça on pourra démarrer la MMR prochainement. Bah, si vous souhaitez un épisode consacré à l'Apoclin 60 à Chenille. Sur un épisode de chargement, pourquoi pas, et de transport de terre. Comme ça, ça fera plaisir pour nous, fans de Poclin. Alors du coup, je sais pas si au passage, hop, je vais peut-être pouvoir mettre les cônes directement, hop. Si ça passe, hein. Ouais, impeccable. Dans le godet. Voilà, ça sera... bien nickel. Alors vous voyez, il prend vraiment toute la largeur de la rue. Oh là. Allez, on rentre au dépôt. Et puis je reviendrai plus tard chercher mon camion. De toute façon, je pense que prochainement on verra. Oula, my god, le freinage. Alors le train qui va certainement arriver ou qui est déjà passé. Ah, le voilà.
Alors je vais laisser mon tracto ici. Enfin du moins, je vais quand même le ramasser. De toute façon on aura besoin de repartir avec le matériel d'ici peu de temps. On termine ici ce chantier les amis en étape 2. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire si vous voulez une étape 3 de ce chantier pour de l'empierrement avec un petit coup de cylindre hein, pour changer. Comme ça, ça permettra de revenir en troisième étape sur ce chantier. Mais pour cela, je vous laisse décider ce qu'il en sera hein, de ce chantier. Sachez que pour moi, ça sera toujours un plaisir de vous divertir sur des vidéos travaux publics. Voilà les amis, je vous fais de très gros bisous, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode et on se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures travaux publics. Salut à tous et à toutes.